Good morning, Aleiden. Les titres aujourd'hui, le Nishmat. Amram Yona ben Chana, Peggy bat Esther, Zara bat Mazal Tov Shish Portish, Simon bat Leoni, Michel Novikov, et aussi l'Irfouat, Avraham Norbert ben Fortuné Mazal, Betor Shah Chol Israël. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Sanhedrin, Perikot Mishnah, Dalet. אנשי עיר הנידחת אין להם חלק לעולם הבא שנאמר יצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את יושבי עירם ואין הנהרגים עד שיהיו מדיחיה מאותה העיר ומאותו השבט ועד שיודח רובה ועד שידיחום אנשים ידיחו אנשים קטנים או שהודח מיותה או שהיו מדיחיה חוצה לה הרי אלו כיחידים וצריכים שני עדים והתראה לכל אחד ואחד. זה חומר ביחידים מבמרובים, שהיחידים בסקילה, לפיכך ממונן פלט, במרובים בסעיף, לפיכך ממונן עבד. On a fini de bifurquer, de nous écarter du vif du sujet de Sanhedrin. On était là depuis maintenant quelques prakim en théorie, en train d'expliciter les différentes condamnations à mort, ce qu'il a fait Eric Vechenek. On était en train de préciser les transgressions pour lesquelles la Torah condamne à ses morts. On avait déjà vu Skila longuement, Sreifa, ceux qui sont brûlés, le père et sa fille, Bat Kohen. On avait commencé à voir Hereg, Saif, l'exécution, la décapitation pour celui qui tue. Et puis ensuite, de fil en aiguille, on a un petit peu, c'est un petit peu écarté du sujet. On a commencé à parler des morts, ce qu'on avait appelé les morts non conventionnels. Puis après, au début de notre chapitre, on a commencé à parler du Olam Haba. Qui sait qu'il n'y aura pas au monde futur, qui sait qu'il n'y aura pas part au monde futur. Et puis, maintenant, depuis notre Mishnah, les trois prochaines Mishnayot, on va se concentrer sur un sujet précis, qui est reprendre le fil, en fait, qu'on a un peu oublié depuis quelques Mishnayot maintenant. C'était le principe des Chiyuvei Saif, la décapitation. On avait vu le Rotseach, l'assassin. Et puis maintenant, on va voir le statut particulier du Anshe Ir Anidachat. La cité maudite. De quoi on parle exactement de la cité maudite? Alors, d'abord au programme, je vous ai dit, il y a trois Mishnayot où, dans ces trois Mishnayot, on va faire que de prendre des petites séquences de la paracha qui parle de la Ir Anidachat, de la cité maudite, et expliciter et poser des conditions. Nous, je pense que ce sera plus intéressant de nous concentrer aujourd'hui juste à ouvrir le Chumash, comprendre les psukim qui ont été dits, expliquer aussi l'essentiel de la Mishnah d'Alet, et on va laisser la petite fin de la Mishnah d'Alet pour le prochain cours, étant donné que la prochaine Mishnah sera aussi relativement courte, comme ça équilibrera, et voilà, et on aura une étude Bezrat Hashem bien complète. D'accord? On va étudier d'abord, on va commencer d'abord, on met la Mishnah de côté, on ouvre. Dvarim, Perek, Yud Gimel, Pasuk, Yud Gimel, on est dans Parashat Re'e, Yud Gimel, Yud Gimel. Ki tishma be'achat arecha, Asher Hashem Elokecha noten lecha lashevet sham lemor. Lorsque tu entendras dans l'une de tes villes qu'Hashem t'a donné pour t'installer, et on te racontera que quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville? Yatzeu anashim bnei Belial mikirvecha. Sont sortis des hommes pervers de ton sein. Vayadichu et yoshevei iram lemor. Et ils ont perdu les habitants de ta ville en leur disant Nelcha ben avda Elohim acherim. Venez, on va aller servir d'autres dieux, Asher lo yedatem, que vous n'avez jamais entendu parler. Vedarashta, vechakarta, veshalta hetev. Et tu enquêteras, tu interrogeras, questionneras. Plusieurs mots, on avait déjà expliqué tous ces psukim. Bien, bien, bien. Veshalta hetev, tu interrogeras bien. Veine, et voilà. Emet nachon hadavar, c'est effectivement vrai. Nestato eva zot mi bekirbecha a été réalisé cette abomination en ton sein. Soit, donc, des gens pervers sont venus ont influencé les habitants de la ville à faire de l'idolâtrie et ils ont vendu à l'hameçon empoisonné et ils ont tous fauté. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit de faire la Torah? Haketake et yoshevé aïraï le ficharev. Tu frapperas les habitants de la ville au fil du glaive, soit saïf. D'accord? Tu leur trancheras la tête. Acharem ota ve'et kol asherba ve'et be'emta lefi charev. Et tu voueras au glaive la ville, tout ce qu'il y a dedans, et même les animaux. Soit, alakha bien particulière, parce que tout le monde a fauté dans cette ville, je leur fais saïf, je les décapite,
D'accord ? Et en plus, je dois détruire tous leurs biens. Vet kol shlala, et toutes ces richesses, tibot seltoch rechova, tu rassembleras au centre de la place, sur la place publique, tu apporteras tous les biens qu'il y a dedans. Vesarafta vaesh, et tu brûleras au feu. Et taïr, la ville, vet kol shlala, et toutes ces richesses, tout ce qu'il y a dedans, kalil, totalement, tu laisses rien de côté. La Shem Elokecha, en l'honneur de ton Dieu, tu brûleras tout ça. Vaïta tel olam, et elle demeurera une ruine éternelle. Lotibane od, elle ne sera plus jamais reconstruite. Veloit bat beyadecha me uma min acherev, et tu ne garderas rien, tu ne laisseras rien coller à ta main, littéralement. Soit tu ne laisseras rien de côté de ce qu'il y avait dedans, min acherev, de ce qui a été voué au feu. Les man yashuv Hashem echaron apo, afin qu'Hashem apaise sa colère. Mais qu'ainsi il te reprendra en miséricorde, verichamcha, il te prendra en pitié, verbecha, il te bénira, comme il t'a béni, et ça suffit pour notre propos. Soit, succinctement, on parle d'une halakha bien particulière, succinctement et méthodiquement cette fois-ci. Il y a de manière générale, lorsque on transgresse de la avodah zara, l'idolâtrie, alors on avait appris dans la Mishnah des Niskalim, ouais, au tout début du sujet, que Avodah Zara, on est chayav ce qu'il a, d'être lapidé. Lorsqu'on est lapidé, il n'y a aucune halakha qui impose de détruire les biens. D'accord ? À titre individuel, quelqu'un qui fait de l'idolâtrie, on le lapide, et c'est tout, et ses biens, ses héritiers pourront prendre ses biens. Eh bien, lorsque des pervers ont influencé toute la ville à fauter, toute la ville à la vendue à l'hameçon, en réalité on va apprendre que c'est la majorité de la ville même qui a fauté, alors là, les fauteurs, ils ont un statut spécial. Au lieu de les condamner à la lapidation, la Torah l'a dit, donne-leur une mort moins forte, puisque dans l'ordre, on a Skila, Srefa, Herek, Vechenek, d'après Ramim, on la lapidation, on brûle. Herek, Saif, c'est la décapitation, et Chenek, c'est la strangulation. D'accord ? Donc, donne-leur une mort moins forte. Quelque part, la Torah, elle n'a pas excusé, mais en tout cas elle a été un petit peu moins rigoureuse sur le fait qu'on fait de la Avodah Zara à titre général, pas à titre individuel. Soit on a tous été influencés, on est tous tombés dans le panneau, il y a quelque part les boutons de panurge, ben voilà, on a une source dans la Torah, ça veut dire tout le monde est fautif, mais un peu moins violemment que si c'était à titre individuel. À titre individuel, c'est ce qu'il a, et là, une mort un peu moins violente, d'accord ? Puisqu'ils ont été influencés. Mais la Torah, elle a dit, mais malgré tout, quand même, il y a une chose que cette fois-ci, cette cité-là, ça va être la cité maudite. Je ne veux plus qu'il reste de souvenir d'elle. On brûle tout. On ne la reconstruira plus. On va brûler tout ce qu'il y a dedans. D'accord ? On va brûler tout ce qu'il y a dedans, tous les biens qui sont dedans. On apprendra dans la prochaine Mishnah qu'est-ce qu'on fait avec les biens qui n'ont pas, de ceux qui n'ont pas fauté et les tzadikim qui n'ont pas fauté de la ville. Qu'est-ce que... D'accord ? Il y aura une halakha bien spéciale. Ça, c'est pour la prochaine Mishnah. D'accord ? Donc, on a présenté maintenant la singularité de la cité maudite. On fait, à présent, on va commencer à lire et traduire la Mishnah. Les hommes de la Iranidachat, la ville qui a été égarée, perdue dans la Vodazara, ils n'auront pas de part au monde futur. Chez Nehemar, comme le Pasuk nous dit, Yatsu Anashim Bnei Blial Mikirbecha, ils sont sortis des hommes, Bnei Blial, des fils de pervers. Mikirbecha de ton sein, Vayadicho et Toshemiram, et qu'ils ont perdu les habitants de leur ville. Soit, c'est en ça que ça se rattache avec la Mishnah précédente, quand même, c'est qu'on parle encore du Olam Haba. Cette fois-ci, la Torah, la Mishnah vient nous enseigner que Bnei Blial, des hommes pervers. Le mot Blial, on le rencontre fréquemment dans la Torah, dans les Tehilim, David Amelech l'utilise beaucoup dans les Tehilim. Un Blial, c'est un pervers. C'est un pervers et. Son nom provient de Bli-Ol. Il n'a pas de joug, il n'a pas de crainte, il n'a aucune retenue, aucune morale. Il est capable de tout sans aucune limite. Donc c'est un pervers. D'accord ? C'est un Bli-Ol. Mais cette fois-ci, la Gemara interprète ce pasouk, ce verset, avec une autre connotation en faisant plutôt Bli-Ya'al. Bli-Ya'al. Il lo-Ya'alé. Il ne remontera pas. Soit une fois qu'il va monter, tomber dans son trou, il va être enterré, il va mourir, il ne se relèvera plus. Donc ils n'ont pas de part au monde futur. Maintenant, une petite parenthèse quand même sur la particularité. En réalité, on avait déjà appris que tous les hommes condamnés à mort,
ils auront en réalité tous part au monde futur. Et la Gemara précise, Tosot et tout ça, que ils auront eux aussi, même ceux de la Yireh Nedachat, s'ils sont morts en faisant tchouva avant d'être tués, ils regrettent, ils font tchouva. D'accord ? Ils vont maintenant encaisser leur mort, ils vont se faire exécuter, leur chair va se décomposer dans le dans la terre, ensuite, et ainsi, ils auront droit d'émettre au monde futur, aussi bien que tous les autres condamnés à mort. Et en réalité, quand la Mishnah nous enseigne qu'ils n'ont pas de pouvoir au monde futur, on parle s'ils ont été tués avant d'être exécutés. Tiferet Israël précise, on aurait pu croire que, qu'étant donné que c'est une faute de groupe qui est quelque part un peu moins grave, qu'ils auraient part au monde futur, même s'ils n'ont pas fait tchouva avant de mourir, alors la Mishnah a besoin de préciser, et eux aussi, ils n'auront pas de part au monde futur s'ils meurent sans faire tchouva. D'accord ? On a fini la première partie de la Mishnah. À présent, on va attaquer de front les conditions requises pour faire le statut de la cité maudite, la Yireh Nedachat, donc avec les deux singularités. Regardez, la Mishnah nous enseigne les deux singularités qui sont, au lieu de mourir, ce qu'il a, la lapidation, on va lui donner on va le décapiter, lui trancher la tête, saïf, et aussi d'un autre côté, on va cette fois-ci s'en prendre à ses biens, on va brûler tous ses biens. Et ne seront pas exécutés en tant que Yireh Nedachat, jusqu'à qu'ils soient Madichea Meota Aïr, les missionnaires qui sont venus les influencer, qu'ils sortent de cette propre ville, pas qu'ils viennent d'ailleurs, comme le Pasuk nous a dit, Yatsu Mikirbecha, de ton sein, ils sont sortis, donc ils ne sont pas venus d'ailleurs. Il y avait Vayadichuet Anche Iram, les habitants de leur ville. On n'a pas dit les habitants de la ville, mais les habitants de leur ville, donc ils doivent être eux-mêmes de cette propre ville. Ou Meoto Hachevet, ça on l'apprend de Mikirbecha, qui soit de cette même tribu. Vayadche Yudach Roba, jusqu'à ce que la majorité de la ville soit morte à l'hameçon, d'accord ? La majorité de la ville doit fauter dans la Vodazara pour lui appliquer le statut de la cité maudite, que certes, on ne va plus les tuer Biskila, mais Saïf, mais quand même, on va brûler toute la ville, on ne va laisser plus aucun souvenir de cette ville. On ne fera ça que s'il y a la majorité de la ville qui a fauté. D'accord ? Bien sûr, les tzadikim qui n'ont pas fauté, ils ne seront pas tués, mais on apprendra dans la prochaine Mishnah qu'on brûlera quand même leurs biens qui étaient présents dans la ville. Ve'adchi yadichum anashim, et jusqu'à ce que ce soit des hommes qui viennent les influencer. D'accord ? Par contre, yadichum anashim ve'uktanim, si c'est les missionnaires qui sont venus, c'est en fait des femmes, ou encore des petits-enfants, des enfants qui n'étaient pas adultes. Oh, she'udach miuta, ou bien qu'il y a eu des adultes qui sont venus, mais qui n'ont pas réussi à influencer la majorité, uniquement la minorité de la ville. 40%, 45%, 49% même. Oh, chez Ayou, même 50%, je pense que ex aequo, ça fera la même chose. On ne donnera pas le statut de la Yireh Nedachat tant qu'il y a eu la majorité de la ville. Ça, c'est moi qui m'avance pour le dire. C'est logique, mais je ne l'ai pas lu. Oh, chez Ayou, m'indiquerai à Khoutsala. Ou encore, une autre option, c'est que les missionnaires qui sont venus venaient de l'extérieur. Ils n'étaient pas de cette propre ville. La ville, c'était la ville Aleph. Eux, ils sont venus de la ville Beth. J'ai pas envie de donner de nom de ville d'Israël pour parler de choses aussi moches, quoi. D'accord ? Donc, les missionnaires sont venus de la ville Beth pour influencer la ville Aleph. Alors là, puisqu'ils venaient Mikhoutsala, Are Elu Kayichidim, on n'appliquera plus le statut de la cité maudite, la Yireh Nedachat, à tous ceux qui ont fauté, même s'ils sont la majorité, ouais, mais on les jugera en tant qu'individuels. D'accord ? La suite de la Mishnah, je la traduis très rapidement, mais on ne s'attarde pas dessus, et on remettra le zoom dans le prochain cours, chacun des fauteurs requerra deux témoins et avoir été prévenu avant de transgresser. Zechomer Bayechidim et Babroumim. Telle est la gravité du yachid, de l'individuel qui transgresse par rapport à la majorité, par rapport à lorsque c'est une faute de groupe, shayichidim biskila, parce que la Mishnah en fait va venir comparer le fait qu'on a été plus mahmir, plus rigoureux envers le particulier, c'est que le particulier ayeshayachi et ayichidim biskila, les particuliers qui font de la vodazara, ils seront biskila, ils seront lapidés, les fikach mamonan palet, c'est pour ça que leurs biens seront sauvés. Tandis que Amerubim Besaïf, lorsqu'ils sont un groupe, une majorité de la ville, alors on allégera certes leur mort, Amerubim Basaïf, donc ils seront juste décapités,
les ficards. Mais c'est pour ça que la Torah a insisté cette fois-ci que Mamonam Avad, que leur bien soit perdu. D'accord ? Parce qu'il va absolument détruire cette ville. On a fini à présent la Mishnah. Je vous ai dit, pour la dernière partie de la Mishnah, même le Barthénoir, on le laissera pour la prochaine Mishnah. Et on fait très rapidement, Bezrat Hashem, le Barthénoir de la première partie. Quasiment toute la Mishnah en fait, 80% même. Yatsu Anshe Bnei Bliyal. Le verset nous disait qu'ils sont sortis des habitants de la Bnei Bliyal, des gens pervers. Et de là, on apprend qu'ils ne se relèveront pas au monde futur. Nous, on apprend quel rapport ? Banim She'enam Olim. Bnei Bliyal, Bnei Bli Olim. Banim She'enam Olim. Des enfants qui ne remonteront pas Bitreat Abitim. À la résurrection des morts. Venidachin Kemadichin. Alors là, le Barthénoir, il vient répondre en fait à une question. On a un problème technique. C'est que les pervers auxquels fait allusion le verset, il s'avère que c'est les missionnaires, mais ce n'est pas les fauteurs. Alors le Barthénoir revient et nous enseigne que sache que Venidachin, ceux qui ont été influencés, comme ceux qui ont eux-mêmes influencé les autres. Là, on revient sur la première condition requise pour faire le statut de la Iranie d'Achat, qu'il faut qu'il soit Madichéa Meotahir. Ceux qui les ont influencés, les missionnaires qui sont de cette propre ville, dirti vayadichu et yoshevé iram velo yoshevé iracheret. Comme le pasouk nous dit qu'ils sont partis influencer les habitants de leur ville. Pourquoi tu me dis de leur ville ? Donc, et pas d'une ville. Il faut qu'ils soient de leur propre ville, que eux se lèvent à l'intérieur de leur ville, d'accord ? Au moto hachevet de cette même tribu, dirti mikirbecha de ton sein, mikirev hachevet atzmo, du sein de la propre tribu, vachi yudach robash el ir, jusqu'à que la majorité de la ville soit influencée, dirtiv yosheve iram, comme le pasouk dit, les habitants de la ville. Donc le pasouk laisse ensemble entendre que c'est tous les habitants de la ville, des mashma yishuva shel ir, donc qui laisse entendre que c'est l'essentiel de la ville, des haïnou rouba, au moins la majorité, pour appliquer le statut de la iranirat. Par contre, si c'était des femmes ou enfants qui ont influencé, ou encore si c'était la minorité uniquement qui a vendu à la maison, ou encore que les missionnaires venaient de l'extérieur, Arelou Keiridim, ils seront jugés comme des individuels, c'est-à-dire chez Avdou Avodazara, on jugera ceux qui ont fauté comme des individuels qui ont transgressé, donc qui ont fait la Avodazara, de l'idolâtrie, Veidonu Biskila, et on leur donnera le, on les condamnera à mort Biskila, la lapidation, Omamonan Palat, et leurs biens seront sauvés, d'accord ? Étant donné que c'est devenu à titre individuel, la Torah a donné le statut spécial de détruire tous les biens uniquement lorsque c'est une faute de groupe, toute la ville qui vient chol, Hachem est en colère contre cette ville, donc on rase tout et on ne la reconstruira pas. Tandis que quand c'est des individuels, alors la ville en elle-même elle est bien, mais les particuliers, il faut les tuer. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol, Tov, Selah.